Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une vidéo, ce que j'ai reçu un colis. Alors, je vous montre le colis, voilà. Donc, je vous explique l'histoire de ce colis. Pour ça qui me suit bien, hein, au mois de décembre, sur un groupe Facebook, je lui ai dit que j'avais une copine qui achetait des trucs et qui les vendait sur son groupe. Donc à la base, il y avait deux colis. Le premier est arrivé sans problème. Et le deuxième, il disait qu'il était arrivé alors que il a été perdu, il est revenu, il est reparti. Au final, il est reparti au destinataire. On ne sait pas pourquoi. Et pour éviter que je repaye les frais de port, elle m'a dit rajoute deux, trois trucs et puis après, voilà, je te l'envoie. Donc ça, c'était au mois de décembre. On est au mois de février. Donc le colis, il a voyagé. Je sais pas si le 4 février, vous voyez, elle a ramené. Donc ça, le quartier, son adresse. Et donc, c'était à la base, il y avait un cadeau de Noël dedans. Et ben, qui Noël est passé il y a un mois et demi. Bon, entre-temps, moi, j'ai acheté autre chose. Je vais vous montrer les petites choses. Il n'y a pas grand-chose hein, que j'avais pris. Donc, à la base, il y avait ouf, ce coffret. Bon, vous connaissez tous les coffrets gourmands, on va dire. Il y a la bouteille, du pâté, du foie gras, du confit d'oignon et pâté, je sais pas quoi. Donc à la base, ça c'était un cadeau de Noël. Et vous voyez, ça fait un peu armoire. Super beau, quoi. Donc je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais en faire? Parce que moi je ne vois pas, ils vont pas dans le truc. Peut-être tu vois. Comme j'ai ma cuisine qui a son. En fait, je sais pas, mais je trouverai un cadeau de Noël à faire et puis. Voilà. Un cadeau de Noël. D'anniversaire maintenant. Parce que Noël, je ne peux pas le garder jusqu'à Noël. Il y a la petite attache. Super sympa. Coffret des délices. Il y a du foie gras de canard, du blanc. Alors, c'est un comté de Canterac. Il y a un confit d'oignon et une terrine pintade de raisin. Celle-là. Donc, ça prend un cadeau offert. Et ensuite, ben. Comme moi, j'avais déjà beaucoup commandé dans le précédent colis, j'ai juste commandé des petites choses. Alors, et mon bec, hein, pour changer. Alors, j'ai goûté les bleus et les blancs, ils sont super bons. Alors, je vous dirai plus à quoi ils sont. Il y a des parfums. Ça, c'est pêche. Et les autres, je sais plus. Donc, j'ai mangé un bleu et un blanc. Ouais. Eh ben, ils sont pas mauvais. Donc, c'est de la guimauve. Non. Pas de la guimauve. C'est comme mes frais de Tagada, mais en mou. Voilà. Donc, il y avait celui-là. J'ai repris les nougats mous. Que je suis une grande fan de nougats, vous savez. Mais nougats mous. Donc, j'ai pris un petit sachet. Hein. Je crois qu'elle les vendait ses paquets de 100 grammes. Je sais plus, à 1 ou 2 euros. Ensuite, hein, ça j'adore ces sacs à l'ancienne. Alors, dans celui-là, il y a un mélange. Alors, il y a. Ça vient pas de France. C'est. C'est.
Ah, le Marie Nutella, je crois qu'il fait ça. Je suis pas sûre. Ah, vous voyez ces petites gaufrettes avec du chocolat et caramel. Ouais, non. C'est pas mis en français. Un petit gâteau comme ça. Il y a des carambars. Barba papa. Là, on les connaît. Un mini Kit Kat, ça j'adore. Et le reste, ben, c'est des carambars et des Kit Kat. Et le dernier. Hop. Donc c'était super bien emboîté en papier bulle. Cool. Et le dernier paquet. Alors, il y a un mélange. Alors, il y a. On va dire un biberon de sirop. Sirop pur. Donc celui-là, il est à la. C'est italien. À la cerise, si je ne me trompe pas. Aussi écrit petit. Il y a 70 millilitres. Aromatisé. Fragola. Je sais pas ce que c'est. Enfin. Bon. Tu dirais grenadine plutôt. Je sais pas si on le sent. Ouais, si je peux ouvrir. Ça sent la framboise. Ou la frise, je sais pas. Non, il y a ça. Une. Ça, c'est la mort, hein, il y a noix de coco. Je suis une grande fan depuis toute petite de meringue. Et un paquet. Alors, ça, déjà. Vous savez, vous mettez sur la langue, ça pète dans la bouche. C'est vieux, ça. Je mangeais ça quand j'étais gamine. Oh, oh la vache. Ah, c'est un chewing-gum à la base. Il colore la langue. Ouais, bah, je ferai pas une vidéo, hein. Goût fraise. Ça fait pouf pouf dans la bouche. Et après, vous voyez, bah, les autres que j'ai fait, je vais garder les paquets. Enfin, les fiches. Voilà. Voilà tout ce qu'il y avait. C'était une histoire de part au pays des frais, d'envoi plus cher que si je commandais. Juste commander ça. Voilà. Voilà. Petit vidéo. J'en profite. Monsieur Cooper fait des os. Ça fait du bien quand il dort. Qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Oui, je vais pas cette semaine. Là, je suis hyper fatiguée. Faut que je récupère d'abord. Mais il va falloir que je crafte la semaine prochaine. Un petit peu en début d'après-midi, c'est comme ça. Parce qu'arrivé vers les 4-5 heures, je suis capote. Et parce que j'ai deux calendriers de l'amitié à faire, il faut que je fasse écrire. J'ai plein d'idées, mais dur de se remettre de ce foutu Covid. Voilà, bon, bah, écoutez, moi je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end, et on se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.